Bonjour à tous, on est lundi, il est 7h10 et je vais vider ce que j'ai ramené vendredi. J'ai rendez-vous à 8h30, donc c'est à côté. Et puis voilà, donc vendredi je suis rentré, j'ai lavé mon camion. C'est pour ça que je roule tout doucement, là, je sors de la cour, hein, vu que c'est un peu dégueulasse. J'espère au moins le garder une journée propre. Et puis voilà, voilà. Et quoi vous dire d'autre, pas grand. Bon. Ah non, c'est l'essieu qui se relève. Il y a une roue qui tourne pas, mais en fait, c'est mon essieu, dernier essieu qui se relève. Pas grand chose de nouveau. À part que j'ai fait un peu de bricolage pour ceux qui me suivent sur Snap. Et Instagram d'ailleurs, parce que je l'ai mis sur les deux. Et je pense que beaucoup ont vu ce que c'était, donc voilà, ça sera à venir bientôt sur la chaîne, je sais pas quand exactement encore, mais bientôt. Et oui, j'ai fait une vidéo pour ceux qui me demandent, parce que j'ai fait une vidéo, bien sûr, je vais pas faire ça sans faire de vidéo. Et puis voilà, allez, je vous reprends plus tard. T'es qui toi? À part ma mère. Attention, hein, si dans votre famille Rebecca ça vaut pour toi, si vous ne savez pas qui est un peu allumé, en général c'est vous. Hein. C'est vrai. C'est qu'ils doivent être sur une autre radio en train de parler de vous. Hein. Attends, je vous le dis. Hein. Donc il est 10h15. Ouais, il est 10h15 et je viens de vider chez mon client. Je suis arrivé à 8h15, je suis soufflé du coup de grand canard. Et puis là bah, je bouge. Hein. Déjà je sors de l'usine parce que. Je sors de l'usine parce qu'il n'y a pas de place. Et je vais rappeler Vincent pour voir ce qu'il me dit où je vais. Je vais quand je fais. Allez, je vous reprends plus tard. Donc bah là il est midi et je viens de charger dans un truc d'aliments pour bestiaux. J'ai vu des jolis camions. Voilà, il y avait un joli Scania que j'ai envoyé, que j'ai mis sur Snap d'ailleurs. Pour ceux qui me suivent sur Snap, vous l'avez vu. Une benne en train de faire un Scania en benne. Et puis voilà, là donc là je reprends direction Monceau-les-Mines pour aller charger. Prendre le complément quoi. Là j'ai 6 mètres de plancher. Et puis quoi dire d'autre, pas grand chose. Donc je vais arriver à Monceau, ça va être 13h. Et c'est dans la fameuse boutique qu'on y passe notre vie. Normalement on devait plus y aller, mais bon. Ils ont promis à Vincent que ça allait être prêt. Et dispo. J'ai un peu de mal à y croire, mais bon, on verra bien.
Allez, je vous reprends plus tard. Donc là, il est 14h30. Je repars de ma deuxième ramasse. C'est chez le fameux client que d'habitude ça va pas bien. Donc là, je suis arrivé à 13h et là, il est 14h30, je m'en vais. Et je vais voir ce qu'il me reste un peu de place. Donc je vais appeler Vincent pour savoir ce que je fais. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous reprends dans 2 secondes. Donc du coup, j'ai eu Vincent, je monte comme ça. Parce qu'on n'a pas le temps de compléter. Pouvoir livrer en temps et en heure le client, donc du coup direction là Le Mans, après Vannes, Lorient, et mon quatrième est par là-bas, je sais même plus, à côté de Lorient, je sais plus le nom. Juste, je vous reprends 2 secondes pour ceux qui ont su mon snap, la marchandise couchée. C'est pas. Je vous mettrai 2-3 photos si vous voulez. Mais en fait, c'est pas moi. Moi, je me suis tout bêtement arrêté boire le café au dépôt. Et j'ai un collègue qui est arrivé pour boire le café. Et quand on a vu l'état de la remorque, j'ai dit, il y a un problème. Mais en fait, donc du coup, j'ai déchargé la remorque parce que Vincent, il sentait pas. Et puis l'autre non plus. Non, mais l'autre, c'est mieux qu'il touche pas en fait. Mais apparemment, ce serait un problème de caisse, quoi. Les caisses étaient mal faites. Bah, pour moi, elles étaient mal faites et les caisses étaient trop lourdes, quoi. Parce que une caisse faisait 1,250 tonnes. Donc, ça faisait 3. L'autre, celle du dessous, elle supportait. Vous avez chuté. Donc, celle du dessous, elle supportait beaucoup trop de poids pour moi. Mais bon, après. Donc, du coup, à la base, on devait vider celle qui était abîmée pour livrer quand même le client de celle qui n'était pas abîmée. Et puis du coup on a tout vidé au dépôt et on attend qu'un expert passe pour voir qui a tort et qui d'où est la faute. Après mon collègue avait mis 3 sangles par truc. Peut-être que moi perso je pense que j'en aurais mis 3 aussi. Peut-être pas comme ça, mais bon après voilà. Normalement les planches, ouais, en fait c'est les planches qui ont cassé donc. Avec les scousses, les à-coups que ça donne, ça a cassé quoi, donc tu peux rien. Hein. On verra bien ce que va dire l'expert, mais bon. Ne vous inquiétez pas, c'était pas mon chargement. Allez, sur ce, je suis parti direction Le Mans. Bon, avec 2 heures de retard quoi, du coup. Et puis on va vider demain Le Mans, après Laval et Lorient. Et puis voilà. Allez. Merde. Come on, baby, come on, shoot, come on, baby.
Donc bah là ça repart. Hein. Ça faisait 30 minutes qu'on était arrêté à l'entrée du Mans. Apparemment c'est les forains qui manifestent. J'entends des voix des camions. Et voilà, pour mes 30 minutes. Donc maintenant ils ont bien foutu le bordel, ils sont. Le problème c'est qu'ils ont pris la route que je devais prendre, donc on va faire autrement. Hein, parce qu'on va aller se coincer avec eux. Donc là je suis au rond-point au Mans et je suis bloqué par les forains, on est bloqué. Et moi je suis à 200 mètres de mon client quoi, donc pas le choix. Donc bah là ça fait 1h30 que je suis bloqué au Mans Nord. En fait je suis bloqué à 500 mètres de chez mon client. Donc je suis comme un con, je peux pas aller chez mon client et puis voilà, je peux pas. En fait, il y a deux ronds-points, si vous voulez, il y a deux ronds-points, une deux fois deux voies entre chaque, et mon client est dans la deux fois deux voies, et moi je suis bloqué avant de rentrer sur la deux fois deux voies. Donc il n'y a pas le choix, on va attendre et puis on va bien voir ce que ça dit. Pour le moment, ça n'a pas l'air de bouger, quoi. Puis les forains, c'est pas des rigolos, donc je pense pas qu'ils lâchent. Mais bon, c'est comme ça, donc on va attendre et puis voilà. Tout ça pour 4 palettes, c'est super. Allez, je vous reprends plus tard. Donc voilà, là j'étais bloqué de 8h30 à 13h10. Donc j'ai réussi à passer, mais bon, c'était ric-rac. Et apparemment, ils ont bloqué derrière. Donc moi, j'ai livré mon client et là, je vais au deuxième. Voilà, je voulais juste faire un petit mot. J'ai vu un abonné dans le rond-point qui roulait en manne pour une boîte de Limoges. Ben, prochaine fois, arrête-toi à boire un coup, je sais pas. Non, ça m'a bien fait plaisir, tu vois, mais bon, dommage, on n'a pas eu le temps de discuter, quoi. Donc voilà, la prochaine fois, n'hésite surtout pas à venir me voir. Hein. Et puis, bon, voilà, je vais essayer de reprendre la route et puis on va voir ce que ça dit. Je vais essayer d'aller à mon prochain client. Allez, à plus tard.
tard, il y en a d'autres, c'est le piano, Eric Jean-Jean, bref. Donc, je viens de vider mon deuxième client. Et là, je suis en train de regarder pour le troisième. Mais bon, là, je suis arrivé à 15h30, il est 15h55, je m'en vais. Et le troisième, c'est Van. Donc, autrement dit, c'est pas à côté, quoi. Donc, 1h47, ah, je peux encore le faire, celui-là peut-être. Allez, on tente Van. Donc allez, on est parti direction Van. Voilà, ça m'a bien foutu le bordel parce que lui, normalement, où j'ai vidé là, il vide pas l'après-midi, donc il était pas très content, quoi. Donc je lui ai expliqué que moi j'y étais pour rien et puis voilà, quand même. Il dit oui, mais bon, de toute façon, normalement, on vide pas l'après-midi. Ben, j'ai dit oui, j'y peux rien. J'y peux absolument rien, moi. Mais bon, c'est comme ça. Hop. Bon, allez, je vous reprends plus tard. Ben, je viens de vider mon avant-dernier client là. Je suis arrivé à 17h45. Tu m'as fait peur. 17h45 et puis là ben, il est 18h20 et je m'en vais. Et je vais au dernier. Et ben ce sera demain matin parce que je suis à 50 km. Hein. Et je vais arriver, ça va être fermé. Donc on verra ça demain matin. Donc voilà. Fait bien chier ce blocage ce matin. Hein. Il n'y aurait pas eu ça, j'aurais tout vidé, puis rechargé, commencé de redescendre un peu. C'est comme ça, malheureusement. On n'a pas trop le choix. Bah, je suis reparti, on est mercredi matin, j'ai vidé mon client. Donc je suis arrivé hier soir à 19h10 devant le client, donc c'était fermé. Et là le problème c'est qu'ils ouvraient à 10h. Donc sauf que gentiment le mec m'a vu hier soir en fait.
Et il m'a dit, bon bah t'as quoi? Donc il est venu me voir au camion, c'est rare mais c'est sympa. Faut dire, on est en Bretagne, donc les gens sont sympas. On n'est pas à Paris. Hein. Et du coup, le mec il est venu me voir, il me dit, bah t'as quoi? Bah j'ai dit, bah voilà, j'ai 5 colis pour vous. Bah, il me dit, mets-toi à quai, et puis j'arrive. Donc il m'a pris à 9h30 au lieu de 10h. Et donc là je suis reparti, je recharge à 60 km en direction de Nantes et je recharge pour le 69. Mais bon, ça fait plaisir de voir des gens sympas de bon matin. Bah de bon matin, 10h, ça va, mais en fait ça me faisait un peu chier quoi. Ça fait chier quand t'es comme ça à attendre que le mec il ouvre. Et voilà, et moi j'espérais que ça ouvre plus tôt, mais non. Bon, s'il m'a pris une demi-heure en avance. Ce qui fait qu'il est 10h, je repars, au lieu de 10h, ils me prennent quoi. J'ai toujours gardé 30 minutes. Et puis voilà, donc là on va redescendre direction. Direction Nantes, après on fera en direction le 69. Et puis voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Donc là je viens de charger, donc, je suis arrivé à 11h, j'ai pas de chaud là, il va falloir que je prenne une douche très très vite parce que la douche là elle est un peu pourrie donc je l'ai pas prise là. Je suis arrivé à 11h et le gars me dit vous avez rendez-vous entre 15h et 16h pour charger. Donc je lui dis bon, je sais pas ce que je fais. Puis il me dit bah comment ça vous savez pas ce que vous faites? Ben je dis ça se trouve je vais m'en aller. Ben il dit pourquoi vous allez vous en aller? Ben je dis parce que nous on nous a dit qu'on chargeait avant midi donc je dis ça change la donne. Oui mais vous comprenez c'est pas possible, la marchandise est pas prête, bah je dis c'est pas grave, hein. Je dis de la marchandise prête, il y en a ailleurs. Et c'est un client qu'on fait souvent donc il sait qu'au bout d'un moment si ça saoule trop on s'en va. Donc j'ai appelé Vincent, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on faisait, tout, donc il les a rappelés, ils se sont rappelés. Et au début c'était pas possible de me charger avant midi et comme par hasard là c'était possible quoi. Donc ils m'ont chargé, donc là il est 11h47 exactement. Et je m'en vais en arrivant à 11h. Donc t'arrives chez le client, pas un camion, le mec il dit non, on peut pas vous charger, on n'a pas le temps. Puis bizarrement quand tu leur dis bon bah on va s'en aller, puis la marchandise va rester sur vos quais et puis vous trouvez une solution pour livrer vos clients, et bah bizarrement ils ont le temps de te charger. Puis avant midi, hein, ils ont même pas empiété sur midi. Hein. Bon c'est pas grave quoi, ça fait une anecdote de plus quoi, mais bon. Ça devient fatigant. En fait tu dis rien, bah tu te dis le mec il va. Comme beaucoup font, hein, je veux pas. Je vais encore pas me faire des potes aujourd'hui, mais bon, comme beaucoup tout font, ils se mettent dans un coin, ils allument la télé, puis ils attendent que ça se passe, quoi. Ben, moi, j'aime pas ça, donc voilà. Voilà, c'est pas grave. Bon, allez, je vous reprends plus tard maintenant en direction le 38, c'est même pas 69, c'est 38. Allez, à plus tard.